m'a apporté le master dans ma vie professionnelle, c'est un premier pied dans le monde de l'entreprise. Donc avec les découvertes des attentes d'une entreprise, de l'organisation, des thématiques qu'on pouvait aborder et des compétences techniques qu'on avait besoin d'avoir. Il y a énormément de matériel, il y a un parc matériel qui est assez développé par rapport aux autres universités. Et c'est comme ça qu'on apprend dans les cours, on a 6 cours, on a l'électrochimie. On n'apprend pas l'électrochimie de base, on apprend les microcapteurs. On fait vraiment ce qui se fait maintenant dans l'actualité technologique en France et dans le monde. Le master étant très complet, ça permet de quadriller tous les domaines, que ce soit de la chimie, de la biologie, même de la cosmétique, de la pharmaceutique, c'est très diversifié. Le master m'a apporté des connaissances scientifiques et techniques, mais également énormément de rigueur scientifique pour mener mes projets à terme. Ça m'a aussi appris à travailler en groupe, car on a quand même fait pas mal de choses en groupe, surtout nous en criminalistique. On était un petit groupe de 12, on avait beaucoup de projets à faire en commun, à se partager les tâches. Le réel apport du master, ce qui a été vraiment intéressant pour moi, ça a été le stage en première année et l'alternance en seconde année. J'ai fait partie de la première promo analyse industrielle. Donc c'est une promo très concrète, puisque ce sont des industriels qui l'ont mis en œuvre, qui viennent nous donner des cours. Dans ma vie professionnelle, le master m'a apporté des bases théoriques pour pouvoir après postuler à des emplois différents de la chimie analytique.